Bonjour et bienvenue sur la chaîne de MiningDelta.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter le montage d'un rig de A à Z. Donc, pour commencer, il nous faudra une barrette de RAM, un disque dur, une carte mère avec 8 emplacements de GPU, une alimentation. Là, c'est une alimentation type ASIC de Bitmain avec des connecteurs CPI, des cartes graphiques. Ici, c'est des RTX 3060 Ti LHR de chez Emiti. Et bien sûr, le boîtier. Commençons par ouvrir le couvercle. Équipez-vous la tournevis, le serpent et les vis. Donc, la première chose à faire, c'est de monter la carte mère dans son emplacement. Dès qu'on a fini d'installer toutes les vis, la carte mère, on est bon. Étape suivante. Il va falloir installer des supports. Il va falloir installer des supports pour l'alimentation. Car cette alimentation se met dans un système de rail pour le tenir au-dessus de la carte mère. Ensuite, nous allons installer l'alimentation. Donc, on va installer une alimentation. On peut mettre aussi son petit support. Pour maintenir l'alimentation.
installer la petite plaque pour que l'alimentation ne bouge pas. Il est à pied. Elle ne bouge pas. Ensuite, nous allons brancher les ventilateurs, 4 en façade. On va rebrancher le bouton reboot de la carte mère. Nous allons brancher du coup la carte mère avec deux connecteurs 6 pins. Les autres connecteurs 6 pins serviront pour les cartes graphiques. Là en l'occurrence 3, mais on pourra en mettre 8 au total des cartes. On va brancher. Les deux connecteurs sont là pour alimenter le processeur, la RAM. Et disque dur. Prochaine étape, installer les cartes graphiques. C'est parti. Donc, comme j'ai dit en intro, c'est des cartes graphiques RTX 3060 Ti et la chère de chez MSI, les Ventus 2. Sécurisez bien en fermant bien le tapis des cartes graphiques pour pas qu'elles ne bougent et ne se détachent. Trois cartes installées. Si vous en avez plus, elle est juste rajoutée en plus. Et là, pour cette commande, il n'y a que 3 cartes. Nous allons brancher les connecteurs 6 pins. Et le problème, c'est que les cartes ont des connecteurs 8 pins. Et les alimentations d'ASIC, c'est que des connecteurs 6 pins. Donc on ne pourrait pas la brancher directement les cartes avec. Pour cela, il existe des dédoubleurs 6 pins à 8 pins double. Vous ne pouvez pas vous tromper de sens. Ils ont des détrompeurs pour qu'on puisse les insérer dans un sens, pas dans l'autre en fait. De ce côté, on s'en occupe pas, on va s'occuper juste de celle-ci. Comme je vous disais, c'est des 8 pins, mais on peut les retransformer en 6 pins si on veut. Pour des cartes plus grosses, style 3070, 3080, où il faut un connecteur 8 pins et un connecteur 6 pins pour les brancher. Donc, il faudrait faire comme ceci pour les brancher. Là, vu comme on a assez de câbles, privilégiez un câble par carte graphique. Ça tirera moins sur les câbles en électricité. Pour ranger un peu tous les câbles, nous allons utiliser
les scratch, comme ça. De brancher toutes les cartes. On va attacher du coup pour pas que ça bouge, vu que j'ai pas plus de cartes. On va les attacher ensemble. Après, sur les ventilateurs, il y a des grilles esprits pour pas que vous ayez mettre vos doigts dedans. Donc passons à la suite. La suite c'est, on va mettre la RAM, 4Go, ça suffit largement. Ouais. Donc il y a un détrompeur, hein, forcément. On va le mettre à l'envers. Tac. Ensuite, le disque dur, 64Go, c'est un SATA. Pareil, hop là, on est dans son emplacement. Oui. On lui met sa petite vis. Tac. Donc à présent, le rig est monté. On n'a plus qu'à connecter l'alimentation et mettre internet. Le principe de ces rigs, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un bouton power marche arrêt. Car si il y a problème, il y a panne d'alimentation électrique, automatiquement, dès que le courant va revenir, le rig va redémarrer. Donc nous allons brancher le rig. Le rig fait entre 70 et 80 décibels. Les ventilateurs qui tournent à 8000 tours, c'est là. Donc passons maintenant sur l'ordinateur pour voir comment il mine. Ensuite, quand on arrive sur iOS, vous voyez exactement qu'il commence à miner à 112 MHz, 37 MHz par carte. Donc pour ça, pour augmenter les cartes et les chères, on va dans feuille de route. On prend comme mineur NB miner, si c'est pas déjà fait. On modifie NB miner. Donc vous mettez votre portefeuille plus le nom du broker, l'URL de votre pool. Et dans arguments et configuration, vous mettez LHR 74. Vous faites appliquer, actualiser tous les workers. Vous revenez sur aperçu du coup. On va démarrer Hive Shell pour voir exactement qu'est-ce que voit le rig. Donc sur l'interface, on peut voir tout ce qui peut être marqué en fait, pour savoir tel ou tel détail. Là tout de suite, on veut savoir comment il mine, donc on marque miner. Et en fait, il nous ramène directement à qu'est-ce qu'il est en train de faire actuellement. On peut voir qu'il mine à 113 MHz. Chaque carte est à 37, 38, 37 MHz. Le LHR est bien à 74. C'est le maximum qu'on peut faire pour l'instant à cause de la limitation de Nvidia.
Donc, on repasse sur le menu standard. Donc, on voit qu'on est à 113 MHz. On va essayer d'augmenter ça en overclockant les cartes graphiques. Donc, moi, je sais exactement qu'est-ce qu'il faut que je marque parce que j'ai déjà fait une préconfiguration. Mais après, si vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut configurer ou pas sur le corps, la mémoire ou l'alimentation, il y a des populaires presets où, en fonction de l'algorithme et des cartes, des gens ont fait des presets qui ont marché. Et vous pouvez utiliser leur preset si vous voulez ou pas. Donc si on choisit celle-ci, vous avez juste à ajouter, 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 et ça va machiner. Dans mon cas, ces presets ne sont pas les bons. Ne maximise pas les performances. Pour moi, ce que j'ai trouvé, c'est 1006, encore 3000 en mémoire. Et 150 en watts. Donc, on fait activer. On voit que il est en train de les machiner ici. Il faut attendre plusieurs secondes. Tant qu'il se régénère. Donc là, il commence déjà un petit peu à monter. C'est pas radical, c'est une montée progressive. Vous ne passerez pas de 120 MHz à 140 d'un coup. MHz et 46 MHz par carte, 46, 45, on peut arriver jusqu'à 47 MHz à peu près, donc 139 MHz, 46, 46, 46, on peut voir que les cartes graphiques ne chauffent pas, 61 degrés, 59 degrés, 54 degrés, le pourcentage c'est le pourcentage de ventilation, accélération des ventilateurs. Là, ils sont qu'à 50%, à peu près 30% le dernier. Donc, le rig est bien ventilé. Après, on peut voir la consommation de chaque carte, 149, 150, 145. Et le total du rig, 143 watts. La température du CPU, la mémoire disponible en disque dur sur celui-là. C'est une clé USB qui branche dessus. Et après les pilotes, est-ce qu'ils sont à jour pour AMD, pour Nvidia? Et la version de l'OS qui est régulièrement mise à jour pour chaque miner et pool. Ensuite, ce qu'on peut faire si vous n'êtes pas tout le temps devant votre rig, c'est mettre une vigilance hash rate. Ce qui veut dire que par exemple, là, il fait 139 MHz. Je vais lui dire qu'à 120 MHz, à 120 MHz, il redémarrera s'il y a problème. En activant ça, si le rig il a un problème quelconque, on va dire une carte qui arrête de miner ou qui mine plus autant, qui mine pas 46, mais que 20 par exemple, et que ça arrive à 120 MHz, le rig va automatiquement redémarrer pour régler ce problème là. Bien sûr, s'il manque une carte, si par exemple il y avait 4 cartes au départ, vous en enlevez une et vous avez oublié d'enlever Vigilance Hash Rate, forcément il va faire que ça, démarrer, arrêter, démarrer, arrêter, démarrer, arrêter, parce qu'il n'arrive toujours pas à atteindre le MHz qu'on lui a dit. Donc ensuite, on peut puis rajouter aussi le système de ventilation. En gros, si les cartes arrivent à 90 degrés,
il arrête directement le mineur. Donc après ça, vous pouvez le changer, vous pouvez mettre 80 si vous voulez. Mais il vaut mieux laisser 90. Et là, il faut lui dire qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse quand il arrive à 90 degrés. La meilleure chose, c'est d'arrêter le mineur ou de le redémarrer. Pour qu'il rebaisse un peu toutes les températures. Mais après, si une des cartes graphiques, chauffe trop, il va falloir la nettoyer, voire changer la pâte thermique, voire les pads en silicone aussi. Donc voilà pour la présentation sur iOS. On retourne sur le rig. A tout de suite. Il ne reste plus à refermer le couvercle. Il ne reste plus rien à faire, à part le brancher. Et attendre qu'il vous gagne de l'argent. Bonne journée à vous et à la prochaine.